Take you back. Do 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 do. Take you back. Take you back. Do 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 do. Take you back. Bonjour YouTube! Salut bande de voyageurs, c'est Lan Wolf, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je vous emmène dans une de mes routines, on va dire. Dans ma salle de bloc, ma salle d'escalade, là où je m'entraîne à Katmandou. Quand je suis hors saison principalement, ou quand je suis entre deux sessions de shooting dans le Haut Himalaya. Donc aujourd'hui, je suis encore accompagné de David, qui découvre un peu l'escalade en salle, le bloc. Donc c'est aussi l'occasion de passer des moments de détente un peu en dehors du boulot. Donc je vous embarque à la salle. A tout de suite. La caméra, ça me stresse. Ça me déconcentre, en fait, je pense trop. Genre, il faut que j'y arrive. Ça filme pas. C'est... Bah, ça filme pas, alors je m'en fous. Ouais, tu t'en fous. Du coup, c'est pour ça que j'y arrive. C'était la pensée du jour par Julien. Ouais. Faut pas penser à la caméra. Faut rester dans son exercice. Donc voilà, la salle, l'Astrec de Katmandou. Qui est une salle qui accueille beaucoup de pratiquants confirmés en fait toute l'année. On a aussi quelques stars, quelques vraies stars de l'alpinisme, de l'ultra trail et du boulder, donc de l'escalade en salle. Quelques rock climbers aussi assez connus qui viennent s'entraîner ici quand ils sont passés sur Katmandou. Donc c'est assez intéressant parce que ça brasse pas mal. Il y a quelques habitués, des gens qui vivent ici. Des guides de montagne, des Népalis, des guides de montagne qui s'entraînent pour un niveau hallucinant, donc c'est super cool de partager avec eux. Et c'est pas cher du tout. C'est-à-dire que sans être adhérent, pour 400 roupies, donc on a la location des chaussons plus le boulder en free, non assuré. Ça fait environ 3,80€, quelque chose comme ça, pour toute la journée. Après, on peut consommer sur place, boire, manger. C'est un open space en fait. Donc c'est très très agréable pour ça. Et les niveaux sont très très fluctuants. Après, il y a beaucoup de débutants qui viennent, des touristes qui sont de passage, ou des Népalis qui viennent apprendre.
Donc c'est assez plaisant, quoi. On progresse tous ensemble et au final, ceux qui sont les plus assidus progressent assez rapidement. Bon, ben voilà, il est 6h40 et donc la session escalade est terminée, donc de 4h à 6h bah, maintenant. Donc, environ 2h d'escalade complète, plus les temps de pause après, plus un petit encas sur la fin. Et là, je rentre à la maison. Donc, si tu as une salle d'escalade près de chez toi, du bloc, eh ben sors-toi les doigts, parce que la vie n'attend pas. I gotta have-